皆さんお元気ですか？さて今日で6回目となりました。日本語ができますか？私はやすかです。今日も皆さんと一緒に日本語を練習します。では早速最初のコーナー、ひらがなの練習です。今日はひらがなのかを勉強しますが、その前に前回の復習です。前回はおでしたね。おはおじさん、トントン、おばさん、タタなどの頭につく文字です。この他にもおから始まる発音が似た呼び方で、おじいさん、グランペア、おばあさん、グランメア、また青年を指すお兄さん、お姉さんなどがあります。いきなりおじいさんなどと呼びかけると、私はそんなに年じゃないなどと不快に思われる方もいらっしゃるので、相手の年齢に合った呼び方を使えるようにしましょう。私は小さい時、知り合いの30歳ぐらいの男性に、山下のおじさんと呼びかけたら、山下のお兄さんと呼びなさいと怒られてしまいました。この微妙なさじ加減がとても日本語的と言えるでしょう。それでは今日の一文字、かの練習を始めましょう。かは3本の線で書くことができます。最初の線は左から右に少しだけ行ったらカーブをして下に降りて跳ねます。2本目は1本目の横線と交差します。3本目は右側の少し離れたところに置きます。一緒にやってみましょう。1本目カーブして、2本目は横線と交差です。3本目は右に。できましたか？紙、パピエ、傘、パラプルイ、歌舞伎、テアトル、トラディショネル、ジャポネ、階段、エスカイエ、火曜日、マルディ、怪獣、モンストファンコム、ゴジラ。来週は木を練習します。それでは次のコーナー、ナタリーさんとシゲルさんへバトンタッチです。今日はどんなお話が待っているでしょうか。それではごきげんよう。Bienvenue dans la partie 2 de Nihongoga Dekimasuka. Nous allons découvrir la suite de la rencontre entre Shigeru et Nathalie. L'émission d'aujourd'hui est consacrée au nom de pays.どうぞ。ありがとう。シゲルさん、ナタリーさんです。はじめまして、ナタリーです。私はフランス人です。日本語の学生です。フランス、日本、アメリカ、ドイツ、イタリア、allons plus loin dans Nihongoga Dekimasuka avec le titre Long Kiss Goodbye de Hal Kali。
Dans cette chanson, Haruka et Yukari expriment la tristesse qu'elles ressentent au moment de se séparer de leur amoureux pour une plus ou moins longue durée. À travers cette chanson, je vais vous présenter l'expression « Fuli Osuru » que l'on peut entendre dans le premier couplet. Fuli est un nom dérivé du verbe fulu, qui signifie agiter, secouer. Par exemple, Teofuru, agiter la main. Le nom fuli en est arrivé à désigner tout ce qui est geste, mimique, et même comportement, attitude, apparence. O est la particule d'objet et indique que fuli est le COD de la phrase. Vous vous souvenez peut-être que sulu est un verbe dont le sens est faire. Donc, en mélangeant tout ça, on peut dire qu'à première vue, le sens est faire des gestes, faire une mimique, adopter une attitude. Mais en laissant bien macérer 2-3 nuits supplémentaires, on obtient le sens plus précis de faire semblant, simuler, feindre. Logique, n'est-ce pas? Fuli ou sulu indique en effet que l'on adopte une attitude ou qu'on montre une expression, mais simulée, pour faire croire l'inverse de ce qu'on pense, par exemple. À l'oral, il est fréquent que les particules disparaissent. Fuli sulu signifie bien toujours faire semblant d'eux. Par exemple, shiranai fuli sulu, faire comme si on ne savait pas. Petite remarque, vous noterez que dans les paroles, le verbe sulu de notre expression est sous forme suspensive, jite, qui permet de relier la phrase à celle d'après. De quoi les alcalis peuvent donc bien faire semblant? Pour le savoir, réécoutons le passage. Les alcalis disent nanimo kininaranai fuli shite. Nanimo signifie rien du tout et kininaru se préoccuper d'eux, mais ici sous forme négative. En gros, elles disent faire semblant de ne pas être affectées par le départ de leur amoureux, même si à l'intérieur, leur petit cœur est en 1000 morceaux. C'est vraiment trop triste. Mais elles vont s'en remettre, je pense. On doit s'arrêter là pour aujourd'hui. À la prochaine !